Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un super tour de magie, vous allez voir qui est vraiment incroyable. Donc on va faire des tours avec ce cube là qui a des propriétés vraiment phénoménales. Donc voilà, je connaissais pas. Alors apparemment ça existe depuis longtemps, c'est un vieux principe. Voilà, ça a été ressorti l'année dernière. Et ça coûte, je crois dans le commerce, 50 euros dans les magasins et franchement... Un cube avec des chiffres comme ça qui coûte 50 euros, je trouve ça vraiment abusé. Donc voilà, donc je me le suis fabriqué moi-même. Donc je vais vous expliquer où l'acheter, comment le créer, comment le faire. Et je vais vous proposer plein de routines avec ce cube magique, vous allez voir, qui est vraiment incroyable. Et vous allez pouvoir faire des routines vraiment très différentes avec des cartes, avec un livre, un book test. Vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Voilà, donc la vidéo risque de durer un peu longtemps puisque je vais vous expliquer pas mal de routines. Mais je vous conseille de rester, c'est vraiment génial. Donc pour vous procurer ce cube, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Voilà, je l'ai acheté à peine 10 euros, 9,90 € ou 10 euros à peu près, sur Amazon. Donc je vous conseille vraiment d'acheter celui-ci, il est très bien. Ensuite, pour les chiffres, vous allez prendre ça. Donc j'ai pensé plutôt que de prendre un marqueur. Ça serait vraiment pas propre. J'ai cherché des chiffres adhésifs. Et donc le format des chiffres est vraiment adapté au carré de chaque face. Voilà, c'est parfait. Et donc vous avez vu, je les ai collés un peu en biais à chaque fois. Vous voyez? Et donc ça rend super bien. Voilà, c'est super propre. En plus, les adhésifs, je suis très content. Donc ça coûte un peu cher, hein, les adhésifs. C'est 2,30 € juste une feuille comme ça. Donc je vous conseille d'en acheter deux pour pouvoir remplir. Tout le carré entièrement. Donc ça tient très bien, franchement on peut faire ça n'accroche pas, ça risque pas de se décoller. Je suis vraiment très content de la qualité de ces adhésifs, c'est parfait. Vous avez vu, la taille est vraiment super. Donc avant de passer aux routines, il va falloir que vous mettiez au bon endroit les chiffres, d'accord? Donc je vais vous montrer chaque face. Donc vous allez bien mémoriser ça, vous allez marquer sur un papier à chaque fois, il faut pas que vous vous trompiez, d'accord? Donc on va commencer par la face blanche. Donc le 3, le 2, 4 et 2. Et vous verrez qu'à chaque fois, vous voyez ici, il y a le 4 et le 2. Nous avons le 4 et le 2 de répéter. Là, nous avons 2, 2. Ici, il y a 2, 2. 2, 3, 2, 3, ainsi de suite. Là, vous avez 2, 5, 2, 5. Là, vous avez 1, 1 et 1, 4. Et vous l'avez répété ici. Comme je vous ai dit, on commence par la face blanche. Donc, je ne me rappelle plus dans quel sens c'était. Donc, c'est pas grave. Donc, vous mettez 1, 2, 1, 4, 1, 3 et 1, 2. OK? Ensuite, je vais tourner comme ceci. On va aller sur la face orange. 1, 2, 1, 4, 1, 1 et 1, 6. Ensuite, on va aller sur la face jaune. 2, 5, 1, 6 et 1, 1. Ensuite, la face rouge. 2, 3, 5, 5. On revient sur la face blanche. Ok, donc face blanche. Orange, jaune et rouge. Je vais tourner mon cube comme ça. Et on va aller sur la face verte. Donc on a 1, 5, 1, 6, 1, 2 et 1, 2. Ensuite on a sur la face jaune 1, 5, 1, 6, 1, 1 et 1, 5. Et ensuite on finit avec la face bleue 1, 3, 1, 4, 1, 1. Et un 5. Ok. Face verte. Face jaune. Et face bleue. Voilà. Vous venez de faire votre cube. Alors, concernant la qualité du cube, il est excellent. Il tourne super bien. Voilà. Donc, vous ne devrez pas savoir résoudre du tout comment résoudre un cube x2, 2 x 2. Ok, donc ça, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de savoir résoudre pour faire toutes les routines que je vais vous proposer. Ça n'a rien à voir. Hein, ok. Et donc ce cube a des propriétés vraiment incroyables. Donc je vais vous expliquer vite fait. Donc là, on peut demander au spectateur de mélanger comme il le désire. Et vous lui dites que par exemple, ici, si on fait le total de ces quatre chiffres, on a 5 et 5, 10, et 4, 14, et 2, 16. D'accord? S'il bouge une seule fois ici, on va avoir un résultat différent. Donc je remets bien mon 6 parce que le 6 se décolle un tout petit peu.
n'y a que le 6, hein. J'ai un peu du mal, je sais pas pourquoi ici. Donc si on fait 5 et 5, 10 et 6, 16 et 2, 18, on a un résultat différent. S'il tourne de ce côté-là, on va voir 5 et 5, 10 et 2, 12 et 1, 13. Et donc vous avez vu, le total est encore différent. Donc à chaque fois que le splitter va mélanger, on va tomber sur un total aléatoire à chaque fois. Et donc ce qui est incroyable avec ce carré, c'est que ici, cette face-là et la face d'en dessous ici feront toujours 28 à chaque fois. Donc regardez, je mélange. Hop, hop, hop. Voilà. Ici. Donc là, si on fait le total, ça fait 5 et 3, 8 et 1, 9 et 6, 15. Et si on retourne ici, 15 et 2, 17 et 2, 19. 19 et 4, 23. Et 23 plus 5, 28. Je prends une autre face au hasard. 9, 10, 13, 15, 17, 17 et 5, 22, 22 et 6, 28. Donc peu importe comment le spectateur mélange, peu importe les chiffres qu'il y aura ici, même si le total est toujours différent, vous aurez toujours 28 avec la face du haut et la face du bas. Donc ça, c'est une des propriétés que possède ce cube, mais il a une autre propriété encore très forte. Donc le spectateur mélange, il s'arrête où il veut, il choisit une face, donc imaginons il choisit cette face-là, vous lui demandez de prendre une calculatrice et vous lui demandez de taper 54, le nombre 54 ici. Après, de tourner le cube, on tombe sur 42. Donc il fait 100, il fait 54 plus 42. S'il tourne, on a 22 plus 22 et plus 25. Okay? On lui demande de prendre la face opposée et de faire pareil. Donc là, il fera plus 51. Plus 13, plus 36, plus 65, et on tombera tout le temps sur 308. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, avec 308, on pourra, par exemple, faire un tour avec un livre, faire un effet de book test. Donc, ce cube a une autre particularité, c'est que si on fait le total des quatre côtés, comme je vous ai montré, le spectateur mélange, si on fait 23 plus 31 plus 12 et plus 22, ça nous donne 88 et ça sera toujours un multiple de 11. Donc vous allez voir qu'on va pouvoir se servir de cette particularité pour faire aussi un autre effet, un autre tour. Donc voilà les trois propriétés que possède ce cube. Donc vous allez pouvoir faire plein de choses, forcer un nombre, faire un tour de carte, faire un effet de test. Donc on va voir tout ça en détail dès à présent ensemble. Donc on va passer au premier effet que vous pouvez faire avec ce cube. Donc je vous fais la démo vite fait, vous montrez un jeu de cartes à votre spectateur. Ici, vous pouvez mélanger devant le spectateur sans problème. Vous mélangez une seconde fois. Voilà, vous avez mélangé le jeu. Vous prenez le cube, vous le montrez au spectateur et vous allez lui dire de mélanger comme il le désire et de faire le total de la face. Et vous lui dites que par exemple ici, s'il s'arrête ici, ça fera 6, 9 et 10. Et que s'il tourne une autre fois, nous aurons un autre total 10, 13, 15. S'il tourne comme ça, on aura un autre total 5, 6, 7 et 3, 10 et 4, 14. Voilà, vous lui dites ça. Donc il mélange comme il désire et vous lui demandez de choisir une des faces, par exemple celle-ci, et de la cacher et de la mettre comme ça sur le tapis pour qu'on ne voit rien du tout. Et vous allez lui demander de mémoriser le total sur lequel il va arriver. Voilà, donc il mélange, vous avez le dos tourné, il s'arrête quand il veut. Imaginons, il choisit cette face-là. Donc il va faire le total dans sa tête, ça fait 6, 5, 11 et 1, 12 et 5, 17. Donc il mémorise 17 et il cache ici la face du cube en le mettant sur le tapis. Donc il doit mémoriser 17. À ce moment-là, vous retournez, vous ne savez pas du tout le total sur lequel il est arrivé, mais vous allez le savoir très aisément, puisque ici, il suffit de regarder, ici, de faire le total. Donc ça fait 4 et 3, 7 et 2, 9 et 2, 11, et vous faites 11 moins 28, parce que vous savez que les deux faces ici font 28.
Donc si vous faites 11 moins 28, ça fait 17. Donc vous savez que ici, il a mémorisé 17. Donc là, en fin de compte, j'ai placé une carte clé, le 9 de cœur, en 28e position. D'accord? Donc là, je sors une autre carte de prédiction. Je prends le 9 de cœur. Ici, que je place avant de faire le tour, bien évidemment. Voilà, j'ai oublié de vous la sortir. Donc moi, avec mon mélange que j'ai fait, je n'ai pas changé la position du 9 de cœur, qui est en 28e position. Donc là, j'ai une carte de prédiction. J'ai dit au spectateur, on va voir juste après. Vous avez un total en tête. Ok, je ne peux pas savoir. Et ce que vous allez faire, vous allez par exemple distribuer là, ici par exemple, sur cette face-là. J'ai 4 et 3, 7, 7 et 2, 9, 11. Vous allez distribuer 11 cartes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, comme ceci. Et vous allez faire exactement pareil avec le total de la face que vous avez mémorisée. D'accord? Et là, le fait que j'ai distribué 11 cartes, il va distribuer 17 cartes. Et donc, comme je viens de distribuer 11 cartes, 17 plus 11, 28, on va arriver sur ma carte de prédiction, le 9 de cœur. Et là, vous dites au spectateur, quel était votre total? Donc, on regarde ensemble, on vérifie, ça fait bien 17. Et là, vous lui dites, allez-y, prenez les cartes, veuillez compter 17 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On tombe sur le 9 de cœur. On retourne ma carte de prédiction. J'étais bien sur le 9 de cœur. Voilà pour cet effet qui est vraiment génial que vous pouvez faire avec ce cube et une carte arrangée en 28e position. Donc si vous ne savez pas faire ce mélange qui est vraiment génial, qui permet de garder la carte à la bonne place, à la même position, vous pouvez faire autrement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vous la placez en 28e position. Donc là, c'est Ireland Shuffle, ça s'appelle. Vous prenez une vingtaine de cartes à peu près. Vous pelez une à une. Et vous attendez de passer la 28e carte à peu près. Donc vous allez le sentir, que vous allez être un peu plus de la moitié. Donc là, je sais que j'ai passé 28 cartes. Là, je peux mélanger comme je veux. Donc le 9 de cœur est ici en 28e position à partir du dessous du jeu. Et là, vous mélangez à nouveau, vous prenez une vingtaine de cartes, vous pelez une à une, puisque je sais que le 9 de cœur est vers le milieu du jeu. Et dès que vous en avez moins que la moitié, et bien vous pouvez mélanger comme vous voulez. Et normalement, mon 9 de cœur est en 28e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Vous voyez? Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ce mélange, ce que vous pouvez faire, c'est que là, le 9 de cœur que j'ai pris, et ben c'est une carte courte. Ce qui fait que vous coupez tout le temps sur le 9 de cœur. Ici, vous allez couper à votre 9 de cœur. Donc là, on coupe au 9 de cœur. Et vous allez donner ce paquet-là à votre spectateur, ou celui-ci, peu importe. Peu importe, il choisit n'importe quel paquet. Donc il va mélanger, vous lui dites on va mélanger toutes les cartes, chacun ensemble. Donc le spectateur mélange ses cartes ici. Vous mélangez vos cartes, donc comme vous voulez, hein. Peu importe. Là, vous pouvez donner ce paquet-là à votre spectateur, vous reprenez le sien, chacun mélange ses cartes ici. Donc là, vous reprenez le paquet, encore une fois, on échange. Vous pouvez encore une nouvelle fois mélanger, vraiment. Lui, il fait pareil, il mélange. Et là, ce que vous faites, c'est que vous dites, on va couper, encore pour encore plus mélanger les cartes, on va chacun couper notre paquet. Donc le spectateur coupe notre paquet, donc vous lui demandez de couper sur la gauche, comme ceci. Donc il coupe où il veut, comme ça. Et vous allez également couper. Vous allez déposer le paquet à gauche, mais vous allez couper sur votre carte courte, le 9 de cœur, ici. D'accord? Donc votre carte courte est ici et vous rassemblez les paquets. Vous prenez les paquets comme ceci, vous faites ça et vous faites ça. Je sais que là, je l'ai passé en 28e position. Vous continuez votre tour, vous faites mélanger. Il choisit une face, par exemple celle-ci. Il la mémorise 8, 10, 16. Il mémorise 16. Il cache. Vous savez exactement qu'il a fait 16 parce que vous comptez ici. Mais vous n'avez pas besoin de totalement savoir parce que vous savez que ça fait 28. Ce que vous avez juste à faire, c'est faire le total et déposer le nombre de cartes ici. Donc vous dites au spectateur, voilà, vous avez un total en tête. Imaginons par exemple, si vous étiez arrêté sur cette face-là, là on a
9, 10, 12, ben vous allez distribuer 12 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on regardera la carte sur laquelle vous êtes arrêté. Ok? Donc, allez-y, veuillez distribuer par rapport au total que vous aviez choisi. Donc, vous avez choisi combien? 11, 12, 13, 16. Ok? Distribuez 16 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9 de cœur. 9 de cœur. Voilà. Donc, c'est bien de le faire comme ça. C'est-à-dire que de dire au spectateur, voilà, si vous étiez arrêté sur cette face-là, eh bien, il faudra distribuer comme ceci. Vous montrez au spectateur, vous montrez l'exemple. Donc, c'est mieux de le faire comme ça plutôt que de le faire distribuer, de dire par exemple, veuillez prendre le total que vous avez choisi, plus le total qui est ici, et vous allez distribuer ce nombre-là. Et ça fait 28. Donc, moi, j'aime pas du tout. Je préfère montrer au spectateur en disant, voilà. Je prends exemple sur cette face-là. Je dis allez-y, veuillez distribuer par rapport à votre total ici, que je ne peux pas savoir, mais en fin de compte que je sais. Et on arrive sur la carte du spectateur. Voilà, je préfère le faire largement comme ça. Donc voilà, j'espère que cet effet vous a plu. Vous verrez à la fin de la vidéo, je vous ferai la même routine, mais différemment, avec un jeu marqué et en utilisant le système Instax. C'est une routine de malade. Vous allez voir, ce sera à la fin de la vidéo. Donc là, ce qui est fort, c'est que, comme je vous ai dit, le spectateur mélange. Voilà, il choisit une face. Si vous lui dites, voilà, vous avez plusieurs nombres qui se créent, 42, 25, 55 et 54. Mais si vous tournez une nouvelle fois, nous avons des nombres différents et bien sûr, nous aurons un total différent. Okay? Même si vous tournez comme ça, vous voyez, à chaque fois, ça change. 12, 23, 35, 51, on tombera tout le temps sur un total différent. Vous dites ça à votre spectateur. Et c'est vrai que on tombera sur un total différent à chaque fois. Donc grâce à cette propriété, comme je vous ai dit, on va tomber sur un total et ça sera un multiple de 11. Et donc ce qui est intéressant, c'est que je vous donne un exemple, hein, vous faites ce que vous voulez après. Vous prenez une grande feuille blanche, donc là j'ai pas de grande feuille blanche, j'ai pris des post-it, mais c'est juste pour vous montrer. Vous allez mettre par exemple une vingtaine de chansons, ou une vingtaine de films, ou ce que vous voulez. D'accord? Donc vous mettez des chansons, toutes différentes à chaque fois. Donc vous les numérotez. Donc là, vous mettez par exemple, vous en mettez une vingtaine. Sur une autre feuille, ou de l'autre côté de la feuille, vous remettez encore une vingtaine de chansons. Tac, 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 tac. Et vous faites ça jusqu'à 88. Donc là, dans la liste des 88, vous mettez que des titres différents. Okay? Et la 88e, vous allez forcer une chanson ou un film. Donc par exemple, 88e, 89, vous voyez, ça continue à chaque fois. Vous faites ça, vous numérotez à chaque fois. Et la 88e, je vais mettre par exemple Toy Story. Toy Story. Donc là, le prochain Toy Story, vous rajoutez 11 à 88, ça sera 99. Vous allez mettre encore Toy Story. Et donc vous allez faire ça, vous allez mettre Toy Story tous les 11 jusqu'à 220. Pourquoi? Parce que le nombre maximum qu'on puisse faire avec la face d'un cube ici, c'est 20. Et donc si on fait 20 fois 11, ça fait 220. Et pourquoi il faut commencer à 88? Parce que le chiffre le plus petit qu'on puisse faire ici, si on totalise ici 4 chiffres, c'est 8. Et donc si on fait 8 fois 11, ça fait 88. Et comme je vous ai dit, si on fait le total à chaque fois des 4 nombres, on tombera toujours sur un multiple de 11. Donc on peut tomber sur 88, 99, etc. Il y a plein de possibilités, mais à chaque fois, il faudra marquer Toy Story à partir de 88, 99, etc. Vous rajoutez 11 à chaque fois. Donc mélange, il choisit n'importe quelle face, par exemple celle-ci. Et donc on va le faire ensemble. Donc on va faire 12. Vous dites voilà, on va créer plusieurs nombres ici. Donc on a le nombre 12. Donc on fait 12 plus. Je vais lui demander de prendre sa calculatrice avec son téléphone. 26 plus 65 et plus 51, ça fait 154. Donc on trouve 154 et 154, c'est bien un multiple de 11. Et bien sûr, vous aurez marqué Toy Story au nombre 154. Voilà. Donc ça, c'est un autre effet que vous pouvez faire avec ce cube en additionnant tous les nombres ici. 1, 2,
3 et 4 sur les quatre côtés. Ok. Donc là, ce qui est cool, c'est que vous pouvez faire un effet de book test. Donc vous allez prendre n'importe quel livre. Il faut que votre livre ait plus de 308 pages. Et donc, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, si on fait le total du nombre ici, 51 plus 15 plus 52 plus 25 et l'autre face ici, 23, 34, 46 et 62, on tombera sur 308 à chaque fois. Donc regardez, on va le faire ensemble. Donc 62 plus 23 plus 34 plus 46 égale. Vous demandez au spectateur de retourner, de prendre l'autre face. Donc on fait plus 15, plus 52, plus 25, plus 51. On tombe sur 308. Voilà. Donc peu importe comment le spectateur mélange, on tombera toujours sur 308. Donc bien sûr, si vous faites que cet effet-là, vous pouvez dire au spectateur. Voilà, vous avez mélangé, regardez, on va additionner 42, 26 plus 63 plus 34, ça va nous donner un certain total. Par contre, si vous tournez une fois de plus, on aura des nombres différents et bien sûr, on aura un total différent. Et ça, c'est totalement vrai, hein. Donc ça, il ne faut pas hésiter à le dire au spectateur. Vous pouvez même prendre votre calculatrice et lui montrer qu'à chaque fois, vous aurez un total différent. Okay? Donc là, ce qui est cool, c'est que, alors après, vous faites ce que vous voulez au niveau du livre. Donc moi j'ai pris celui-ci, Victor Hugo, donc j'ai pris vraiment au hasard. Et donc sur la page 308, moi j'arrive sur quoi? Alors comment je vais le faire? En fin de compte, vous avez plusieurs façons de le faire. Soit vous prenez un livre à la page 308 et vous allez mémoriser le premier mot qui arrive sur la première ligne ou la dernière ligne si vous voulez. Et vous dites au spectateur, voilà, vous allez aller à la page du total que vous avez trouvé, 308, et vous allez mémoriser le premier mot de la première ligne ici ou le premier mot de la dernière ligne, d'accord? Et bien sûr, vous, auparavant, vous aurez appris par cœur le premier mot de la page 308, voilà. Et donc, vous pourrez révéler, vous prenez un papier, un crayon, et vous dites, voilà, je ressens quelque chose, je vois un A, un E, un R, vous écrivez, vous dites quel était le mot sur lequel vous êtes tombé, il va vous dire le mot, et vous montrez votre papier, et vous montrez le même mot. Voilà, vous pouvez le faire comme ça sature. Vous pouvez par exemple déchirer la page 308 et donc dire c'est une blague, hein, un petit gag, en disant vous allez aller à la page 308 et donc vous allez mémoriser le premier mot qui est sur la première ligne. Et donc le spectateur va aller à la page 308 et il va voir qu'elle est manquante, elle est déchirée. Donc vous la déchirez et vous laissez bien, vous montrez bien qu'elle est déchirée. Et donc ce qui est bizarre, c'est que c'est la seule page déchirée du livre. Voilà. Ça, c'est une idée comme une autre. Vous pouvez aussi mettre un marque-page en disant ce qui est bizarre, c'est que mon marque-page est à la page 308 et il n'y en a pas d'autre. Voyez? Là, par exemple, je suis tombé sur celui-là, les contemplations, et c'est le hasard, hein, mais sur la page 308, comme par hasard, vous voyez, j'ai pas de page avec des mots comme ça. Je tombe sur une page où il y a un manuscrit. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, de dire. Vous allez prendre la première lettre de la première phrase. Et là, le spectateur, il va être un peu embêté puisque il n'y a pas vraiment de phrase, c'est un manuscrit, en plus c'est écrit en petit. Et là, vous dites, attendez, je vois que là, c'est exceptionnel, vous ne pouvez pas mémoriser deux mots, puisque c'est pas une page comme les autres. Là, il n'y a pas de phrase d'inscrite, il n'y a pas de mots, il y a juste un manuscrit. Voilà, vous pouvez le sortir comme ça. Donc il y a plein de façons de présenter cette routine avec un livre. Je vous laisse le choix de trouver d'autres idées, voilà, mais vous tomberez quoi qu'il arrive sur 308. Donc voilà, vous pouvez faire un super effet de book test avec n'importe quel livre du moment qu'il y ait plus de 308 pages. Donc on se retrouve pour le dernier effet. Donc, comme je vous ai dit, ça va ressembler à la première routine que je vous ai fait, mais là, ça va être totalement différent. Et c'est une tuerie, c'est incroyable, vous allez voir. Donc là, pour cet effet, il vous faudra un jeu marqué, et il faut que votre jeu marqué soit rangé en système in stack. D'accord? Donc moi, j'ai rangé piqueur, trafic, carreau. Mais attention, j'ai inversé l'ordre du système in, c'est-à-dire que je commence à partir de la droite et je vais vers la gauche. Vous voyez, 3, 6, 9, 12, je ne fais pas ça.
Je pars pas de la gauche vers la droite. Ok? Donc j'ai inversé. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi j'ai fait ceci. Donc vous rangez votre jeu en systémine. Donc là, vous n'avez pas besoin de mélanger ou d'avoir une carte courte. D'accord? Vous demandez au spectateur, vous montrez vos cartes ici. Et vous dites, voilà, vous allez couper le nombre de fois que vous voulez, vous faites des coupes complètes. Donc là, si vous coupez, la position des cartes change à chaque fois. D'accord? On ne peut pas savoir où sont les cartes, telle carte ou telle carte rangée dans le jeu. Donc le spectateur coupe le nombre de fois qu'il veut. Ici, vous lui montrez le cube, vous lui expliquez qu'il peut tourner dans n'importe quel sens, s'arrêter où il veut. Ici, il va choisir n'importe quelle face, il va devoir faire le total de cette face et la cacher. Ok, donc là on est sur le même principe que la première fois. Pendant qu'il mélange, ce que vous faites, c'est là où ça tue. Vous dites au spectateur, je vais faire une prédiction. Donc vous prenez un petit papier et un crayon. Vous dites au spectateur, allez-y mélanger. Vous, ce qui vous suffit de faire, c'est de regarder la première carte ici. C'est pour ça que j'ai pris un jeu marqué. Vous prenez la première carte ici, l'information. Donc moi, grâce à mon jeu marqué ici, je sais que c'est un roi de pique. Ici. Et donc, pourquoi il faut prendre cette information-là sur la première carte? Ça va vous indiquer l'identité de cette carte-là. C'est cette carte-là qu'il faut connaître absolument. Et donc, plutôt que de le faire avec un jeu normal non marqué, bon, vous pouvez le faire, hein. Vous prenez l'information en tournant le paquet comme ça, vous faites ce que vous voulez, vous dites voilà, vous avez mélangé, vous êtes satisfait, vous prenez vite fait l'information, vous n'êtes pas obligé d'avoir un jeu marqué. Mais moi, je préfère le faire avec un jeu marqué. Pourquoi? Parce que le spectateur, quand il va couper, je ne touche pas aux cartes, je ne manipule pas les cartes, c'est lui qui a coupé, qui s'arrêtait où il voulait. Et moi, j'ai juste à prendre l'information sur cette carte-là qui va m'indiquer l'identité de la carte du bas. Donc là, roi de pique, après le pique, c'est quoi? C'est le cœur, je rajoute 3, je sais qu'en dessous, j'ai le 3 de cœur. Ici. Okay. Et là, ce qui est ouf, encore, vous allez voir, c'est que vous allez rajouter 7 au 3 de cœur. Ça va donner 10 et vous allez prendre le même index, la même couleur, le cœur. Et vous savez qu'en 28e position, ça va être le 10 de cœur. Ça tue, mais de fou. Donc ça va être votre prédiction. Donc vous allez marquer 10 de cœur. Vous allez voir, c'est un truc de dingue. Vous dites, voilà, j'ai marqué une prédiction, vous la cachez, vous la pliez, vous la donnez dans les mains du spectateur. Le spectateur s'exécute, donc il mélange. Et il va retenir le total d'une face. Donc il va retenir par exemple celle-ci. 9, 11 et 6, 17. Il retient 17. Ok, je le marque là. Il retient 17. Spectateur. Donc il cache sur le tapis en mettant comme ça. Vous, vous faites exactement pareil. Vous dites, voilà, vous avez choisi un total. Je ne peux pas savoir quel est ce total. Et ce que vous allez faire, par exemple, vous voyez là, on a cette face-là. Si vous avez choisi cette face-là, on va totaliser tous ces chiffres, ça fait 5, 6 et 5, 11. Et donc vous allez distribuer 11 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on verra sur quelle carte vous êtes arrêté. Okay? Donc là, vous montrez l'exemple au spectateur, ici. Et donc forcément, ben, vous lui demandez combien il a choisi. Donc 17. 17. Donc il va compter 17 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il retourne la carte. Il tombe sur le 10 de cœur. Il prend la prédiction qu'il avait dans les mains. Vous lui dites, allez-y, dépliez là. On tombe sur le 10 de cœur. Exactement la carte sur laquelle le spectateur s'est arrêté. Voilà, c'est exactement le même effet que le premier. Mais là, c'est différent. On le fait avec un jeu systémine et un jeu marqué. Franchement, je pense que c'est ma version préférée. Je la trouve excellente. Voilà, donc vous faites exactement comme ça, hein. Pour le premier exemple, vous faites l'exemple au spectateur, plutôt qu'il compte 28 cartes d'un coup, de lui dire d'additionner les deux faces. Vous dites voilà, si vous étiez arrêté sur cette face-là, si on fait le total, on tombe sur tel nombre, et vous montrez au spectateur ce qu'il doit faire en distribuant. Voilà, je trouve cet effet vraiment super. Donc voilà, j'ai passé à peu près en revue tous les effets possibles que vous pouvez faire avec ce cube. Donc vous allez choisir celle que vous préférez. Bah, il y en a plein que j'aime. Le book test, j'aime beaucoup. La liste des films, moins, j'aime moins, mais bon, je voulais quand même vous en parler. Et l'effet de la carte, là, je pense que je le ferai avec le jeu marqué et le système. Voilà, je trouve ça très fort.
Donc voilà, j'espère que ça a été complet, que vous avez tout compris. S'il y a des choses que vous n'avez pas saisies, n'hésitez pas à me poser des questions, je vous répondrai comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner, et on se retrouve très vite sur ma chaîne. À très bientôt, merci à vous.